Bien, j'ai une petite question pour Oui. vous. Est-ce que vous avez bien dormi cette nuit? Alors mieux, je n'ai pas dormi. Ah, d'accord. Bah, écoutez, je vous propose justement de vous rendormir et même mieux, de voyager parmi les rêves de Michel Polnareff. Ah. Oui, alors ne me regardez pas comme ça. C'est la promesse de Polnareff, une expérience immersive en vidéo et en chanson. Démarrage aujourd'hui au Théâtre du Palace à Paris. La visite en avant-première avec Marie Gicquel. L'expérience Polnareff débute avec cette impression de rentrer en boîte de nuit. En pleine journée, Jean-Pierre, le videur du palace, nous accueille. À quelques mètres, il fait tout noir. Il y a des vidéos dans tous les sens et les gens sont un petit peu émerveillés. Avant de pénétrer l'inconscient de Michel Polnareff, Héloïse de l'équipe Polnareff nous conseille de tendre l'oreille dans ce long couloir. On va sur le mur des murmures et quand on approche son oreille... Il y a Michel Polnareff qui parle. Il vous dit quoi? Là, il s'envole en baleine et en sirène. Marc Benaïch. On va trouver à l'intérieur des rêves. Le concepteur de cette expérience. Des rêves de 14 mètres de haut à 360 degrés qui nous feront perdre un peu la tête et les sens. 700 mètres carrés de drap blanc recouvrent l'espace d'étoiles sur lesquelles sont projetées des vidéos de l'univers poétique du chanteur, des forêts luxuriantes, l'espace ou encore la chapelle Sixtine. Il n'y avait pas de limite avec Michel Polnareff. Aucune limite. Un aperçu du paradis selon Michel Polnareff qui plane dans ses images, du moins ses boucles blondes et ses lunettes blanches. Voilà, voyage au pays de Michel Polnareff. Vous avez le temps, Julien, c'est jusqu'en mars 2023. J'ai le temps de me rendormir donc. Exactement. Vous êtes bien aimable. Merci beaucoup, Romane.